Salut à toi qui regarde cette vidéo, c'est Plegis d'XboxLive.fr. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Sea of Thieves et notamment au framerate sur Xbox One X. Alors Sea of Thieves est clairement constant à 30 images par seconde sur la version Xbox One X, hormis à certains moments, notamment dans la taverne, où là on va faire le yo-yo et aussi sur les combats avec les squelettes au corps à corps. Où là on va avoir des variations assez surprenantes, c'est-à-dire qu'on va être à 30, puis tout d'un coup on va monter 30, 35, et ainsi de suite, 40, et hop, on va redescendre. Et alors c'est pas très gênant parce que lorsqu'on joue, on s'en aperçoit pas forcément, mais ça montre un peu de fébrilité sur cet item-là. Alors on va voir si Rare va corriger le tir. Hormis ça, il est difficile de prendre en défaut le jeu. On constate quand même des désynchros à certains moments, mais les textures sont bonnes, le HDR est bon, et la représentation de l'océan et le système de vagues et tout ça, là, oh, ça claque. Maintenant, je vais te laisser juger par toi-même ce que vaut Sea of Thieves en termes de framerate. Si tu as des questions particulières, n'hésite pas à les poser sur xboxlive.fr et puis je te remercie d'être allé au bout de cette vidéo. Allez, salut !